Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Dernière ligne droite pour les préparatifs de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Après la vente en ligne des premiers billets, le COCAN a annoncé qu'un peu plus d'un million de billets seront mis en vente pour assister à la compétition. L'Afrique à l'heure de la révolution numérique. Et c'est tout l'objet des échanges qui prendront place lors de la 4e édition de l'African Digital Week. Les détails dans cette édition. Et en Afrique du Sud, l'année 2024 démarrera avec la libération sous condition d'Oscar Pistorius. L'ex-athlète paralympique, condamné pour le meurtre de sa petite amie, sera placé en conditionnel jusqu'au 5 janvier 2029. Au 30% en ligne, vous avez en moyenne 1 million de billets qui vont être mis en ligne, qui seront en ligne, disons, en vente à partir du 13 décembre. Plus qu'une vingtaine de jours avant de pouvoir acheter les précieux sésames permettant d'accéder au match de la CAN 2023. La date a été dévoilée au cours d'un point presse initié par le COCAN, accompagné par la Fédération Ivoirienne de Football. Une dernière ligne droite avant ce qui semble déjà être la CAN la plus attendue des aficionados du ballon rond. De nombreux stades, mais je vous invite à acheter vite parce que je vous assure, les demandes que nous recevons au COCAN, vous n'imaginez pas. Je pense même que le stade Assane Ouattara, qui est le plus grand stade du pays, sera trop petit. Il ne pourra pas accueillir toutes les demandes que nous avons. 24 équipes, 52 matchs, une seule coupe. Du 13 janvier au 11 février 2024, les villes d'Abidjan, San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro et Korogo accueilleront la fine fleur du ballon rond africain. Le cacao produit par la Côte d'Ivoire et le Ghana sera bientôt traçable. De quoi rendre la production plus redoutable sur le marché. La Côte d'Ivoire et le Ghana mettent en place la traçabilité et un programme national de standards pour un cacao durable. Donc nous avons aussi parlé de cela et nous avons bien avancé. Donc pour la campagne de l'année prochaine, la Côte d'Ivoire et le Ghana pourront lancer donc un cacao complètement traçable. Ainsi, lors de la 5e réunion ordinaire de l'instance, d'autres préoccupations étaient à l'ordre du jour, notamment l'extension de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana à d'autres pays producteurs. Le conseil d'administration a à cet effet approuvé les lignes directrices pour l'adhésion de nouveaux membres. Le Cameroun est donc le premier pays à s'intéresser à cet engagement. Il y a déjà des discussions en cours, mais vous savez, nous sommes une institution, donc il y a une procédure qui a été mise en place. Et cette procédure-là, le Cameroun officiellement, donc lorsqu'il fera la demande, cela sera discuté par les membres du comité exécutif et afin de l'adhésion. Donc nous attendons toujours cela de leur part, mais l'intérêt a été au plus haut niveau mentionné à l'initiative. La 5e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana était présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Durable et son homologue ghanéen. Ce dernier va présider le comité de l'année prochaine après le mandat ivoirien. Et c'est reparti pour le Forum African Digital Week. La 4e édition de ce grand rendez-vous du numérique s'est ouverte le 24 novembre, et ce, toujours avec le même objectif. Valoriser et mettre en réseau les acteurs du digital en Afrique autour de thématiques d'actualité ou impactant l'avenir de l'Afrique. Si l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier ont raté le train des précédentes révolutions, nous disposons à présent de moyens nécessaires pour ne pas rater celui de la 4e révolution industrielle. C'est sur ces paroles d'espoir que je déclare ouvert la cérémonie de lancement de la 4e édition de l'African Digital Week. L'Afrique amorce la 4e révolution industrielle, véritable ère de transformation numérique, bien que son rythme et son impact puissent varier d'un pays à l'autre. C'est tout l'enjeu de cette édition, dont le thème est « 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique ». Il ne s'agit pas encore du forum, mais vous savez qu'il y a des activités pour préparer le forum, notamment les activités qui ont trait au contenu scientifique, les activités qui ont trait à la mise en place de partenariats avec des entreprises ou les institutions qui collaborent avec nous depuis la première édition de l'African Digital Week. La 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique. Les experts d'Afrique et d'ailleurs du secteur de l'IT auront à réfléchir sur le passage à des systèmes de production connectés du 22 au 24 avril 2024.
Le 5 janvier 2024, Oscar Pistorius sera un homme quasiment libre. 10 ans après le meurtre de sa petite amie, Riva Steenkamp, l'ex-athlète paralympique sud-africain a obtenu la liberté conditionnelle après avoir été condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de réclusion par la Cour suprême d'appel. Oscar Pistorius, au vu de son comportement en détention et de ses déclarations, a été jugé apte à recouvrer la liberté. Bien que ce dernier ne sera pas placé sous surveillance électronique, des agents veilleront au respect de son jugement. De son côté, la famille de Riva Steenkamp a déclaré ne pas s'opposer à cette remise en liberté tout en continuant de ne pas croire en la version de Pistorius. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cetteinfo.ci.